Quelle distance doit séparer les deux charges de 0,294 coulomb et moins 0,147 coulomb afin qu'elles s'attirent avec une force de 4,8 newtons dans le vide? Inscrivons d'abord les données. Cette charge Q1 vaut 0,294 coulomb. Cette charge Q2 vaut moins 0,147 coulomb. Et ces deux charges s'attirent avec des forces dont l'intensité F vaut 4,8 newtons. Ce que nous cherchons, c'est la distance petit r entre ces deux charges, distance que nous exprimons en mètres. Et pour trouver cette distance, nous appliquons la loi de Coulomb, que nous transformons d'abord en isolant le R. Cette formule donne alors que R est égal à la racine carrée de K0 fois le produit des valeurs absolues des deux charges divisé par F. Donc, dans cette formule, nous remplaçons le K0 par 9 fois 10 exposant 9, la valeur absolue de Q1 par 0,294, la valeur absolue de Q2 par 0,147 et l'intensité grand F par 4,8. Ainsi, nous trouvons ce calcul-là et la calculette nous livre de suite la réponse. Cette distance R que nous cherchons vaut à peu près 9001,87 mètres.